57 et chez les mâles. Le sac. Il s'agit de Capulco, par l'Ordre du Sud, et Gazou d'Avril, par Dark Moon Danseur, la mère et des sœurs de Royal Tyr. Ça marchait ? Royal Tyr, oui, Royal Tyr, le vrai Royal Tyr, gagnant du Edmond Barachin, gagnant du Grand Prix de Pau, deuxième du Grand Slip de Merano, très 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 bon cheval. Le neveu de Royal Tyr ici, présenté par Maurice Vette de Villard, de Flagy, dans la Saône-et-Loire, avec l'Ordre du Sud. Un étalon donc dont on attend beaucoup de la génération de 2 ans et 3 ans, puisque c'est une génération riche. Le neveu donc de Royal Tyr, ici, c'est le lot 57 qu'on va voir au trot maintenant. Maurice Huette, dont je ne me rappelle pas avoir vu un candidat sur un premier. Oui, c'est son premier. Ça fait plaisir de voir les nouveaux arrivants. Bravo, merci pour votre présence. Celle qui a une bonne tête en plus. Capulco, né le 28 mars.